Le prince Harry, des décisions regrettables? Cette déclaration qui suscite des doutes sur sa fidélité. Actuellement en plein procès contre la presse britannique, le prince Harry a dû faire face à l'avocat de la défense durant près de 6 heures. Un long témoignage pour l'époux de Meghan Markle, qui a reconnu à demi-mot avoir été infidèle, lors de sa relation avec Chelsea Davy. Le temps n'est pas au beau fixe pour le prince Harry. Après le ramdam qui a suivi la publication de son livre Le Suppléant, dans lequel il est revenu sur son départ de la famille royale, et aussi sa jeunesse mouvementée, racontant notamment sa forte consommation de drogue, évoquant sa prise de cocaïne ou de champignons hallucinogènes, le prince Harry n'est plus en ordre de sainteté auprès de la famille royale. Bien qu'il ait été présent au couronnement de son père, le roi Charles III, celui-ci était vite reparti aux États-Unis auprès de son épouse Meghan Markle. Cependant, le frère de William risque de faire face à la justice américaine. En effet, le groupe conservateur américain, Heritage Foundation, a comparu devant la Cour fédérale de Washington, réclamant que les documents concernant l'installation du prince Harry sur le sol américain soient rendus publics. L'époux de Meghan Markle pourrait se retrouver à témoigner dans une cour de justice américaine, alors qu'il est déjà en plein procès en Angleterre. Un procès durant lequel, il est revenu sur sa relation avec Chelsea Davy. Je ne réfléchissais pas vraiment à mes actes. Entre 2004 et 2010, le prince Harry a été en couple avec Chelsea Davy. Une relation plutôt tumultueuse, faite de déchirements et de retrouvailles, qui a profondément marqué la jeune femme comme elle le racontait en 2016, je n'arrivais pas à supporter tout ça. J'étais jeune et je voulais juste être une fille normale. C'était horrible. En plein procès contre la presse britannique, le prince Harry est revenu sur sa relation avec la jeune femme, qui a depuis trouvé l'amour, et s'est même mariée. Une des raisons qui aurait poussé les jeunes gens à se séparer, étaient les rumeurs d'infidélité du prince Harry envers Chelsea Davy. Des rumeurs que le principal intéressé n'avait jamais confirmées. Cependant, pendant son procès, le prince a fait une déclaration qui ressemble fortement à un aveu de sa part, « J'ai été immature. Je ne réfléchissais pas vraiment à mes actes et j'ai pris des décisions stupides. » Des mots qui pourraient ressembler à des aveux. Bien que le prince Harry ne confirme pas avoir été infidèle, cette déclaration risque de relancer les rumeurs sur son infidélité. Affaire à suivre.